Comment faire pour que tes vidéos et ta chaîne se retrouvent tout en haut des résultats lors d'une recherche YouTube? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Ok, donc je vais te donner les trois étapes clés tout simplement pour réussir à faire apparaître tes vidéos tout en haut des résultats. Mais avant ça, il va juste falloir qu'on fasse un petit peu de théorie pour que tu comprennes tout simplement comment ça se passe et à quoi ça correspond ces fameux résultats. En fait, lorsque je dis que tes vidéos vont apparaître tout en haut tout simplement des résultats YouTube, ça signifie que tes vidéos vont être bien référencées. Le référencement, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement cette fameuse position qu'ont par exemple tes vidéos ou qu'ont par exemple les sites sur Google lorsqu'on cherche tout simplement une requête dans la barre de recherche. Et bien YouTube va tout simplement essayer de prendre les vidéos les plus pertinentes pour les présenter à l'utilisateur. Sauf que pour une requête donnée, il peut y avoir des millions, voire des milliards de résultats. Par conséquent, c'est souvent assez compliqué d'arriver à se démarquer de la masse quand tu es parmi un milliard de concurrents. Pourtant, si tu utilises en fait les bonnes méthodes et tout simplement que tu respectes les trois étapes que je vais te donner là maintenant, tu vas pouvoir en fait arriver à te positionner de façon à ce que ta vidéo soit bien référencée. Et c'est vraiment important dans le sens où lorsque tu débutes, le référencement naturel, c'est-à-dire lorsque les gens vont chercher tes vidéos et les trouver, ça peut représenter environ 60 à 80% de ton trafic, ce qui est énorme. Donc maintenant que tu as compris ça, je vais te donner justement les trois étapes et on va commencer tout de suite avec la première étape. Donc juste petite pause, je t'invite à cliquer en description à la fin de cette vidéo pour avoir accès à ce livre. Donc comment réussir sur YouTube, un livre de 280 pages qui t'explique comment créer, monter et monétiser ta chaîne YouTube de A à Z si tu es débutant, qui regroupe toutes les techniques que je dis sur YouTube, plus encore plein d'autres techniques. La première étape, ça va tout simplement être de te créer déjà une liste de base de mots-clés. Ok, donc là tu vas te dire de quoi je parle, de quoi, qu'est-ce que je suis en train de sortir, des mots-clés, des trucs comme ça. En fait, ce qu'il faut faire, si tu veux vraiment que tes vidéos arrivent en haut, il faut que tu prennes les choses à l'envers. C'est pas en fait une fois que tu as ta vidéo que tu commences à te demander alors comment je vais l'appeler, quel mot-clé je vais utiliser. Non, c'est l'inverse. Ce que tu vas faire, c'est te rendre sur ce qu'on appelle des générateurs de mots-clés. Donc des générateurs de mots-clés, c'est tout simplement des sites internet qui vont regrouper les recherches des gens. Ok, par exemple, moi je vais utiliser Keyword Tool dans cette vidéo. Keyword Tool, j'ai déjà fait plusieurs tutos sur la chaîne. D'ailleurs, il y a une vidéo spécialement pour trouver des mots-clés sur Keyword Tool. Mais tu peux également utiliser Google Trend ou Keyword Planner de Google. Et lorsque tu es sur ces sites, en fait, ce que tu vas faire, c'est chercher ce que les gens demandent par rapport au sujet de ta vidéo. Et je sais que même si ça peut paraître un peu compliqué ce que je vais prendre un exemple très simple. Si tu fais par exemple une simple vidéo du style un unboxing d'un iPhone 11 par exemple, c'est-à-dire une vidéo où tu déballes l'iPhone 11, tu montres à tout le monde comment c'est dans la boîte et tout ça, ce genre de vidéo ça cartonne. Donc tu vas bien noter en fait que le sujet de ta vidéo c'est tout simplement l'unboxing de l'iPhone, donc ça change pas. Maintenant ce qu'il faut voir c'est par rapport à cet unboxing, par rapport à cette thématique de vidéo, comment tu vas pouvoir te positionner, c'est-à-dire sur quel angle en fait tu vas pouvoir, on va dire, approfondir cette thématique, parce qu'il y a plein de façons de faire un unboxing d'iPhone. Par exemple, un unboxing de manière à filmer, par exemple, avec une GoPro, c'est-à-dire comme ça, les gens voient en même temps que tu déballes. Sinon, tu peux faire un truc où tu le déballes, je sais pas, par exemple, chez Apple directement, tu peux le faire avec plusieurs personnes. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Ça veut dire, tu vas faire différentes choses qui vont apporter plus de précision, on va dire, à ta niche, en tout cas, à la thématique de ta vidéo. Bref, du coup, une fois que tu as trouvé donc ta thématique de vidéo, à savoir l'unboxing de l'iPhone 11, ce que tu vas faire, c'est trouver ton positionnement pour essayer de te démarquer et de réduire la concurrence. Et pour cela, tu vas du coup taper par exemple unboxing iPhone 11 dans tout simplement Keyword Tool. Et là, en fait, tu vas avoir une liste tout simplement des termes qui sont le plus recherchés par les utilisateurs. Et une fois que tu as cette liste, tu vas pouvoir maintenant passer à l'étape 2. Deuxième étape, en fait, c'est une fois que tu as cette liste, donc que tu as ta thématique et que tu as plusieurs idées de positionnement, d'accord? Eh ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tous les mots-clés ou en tout cas toutes les recherches, tu vas les mettre dans un tableur et tu vas chercher une à une toutes les recherches sur YouTube. Alors, s'il y en a, par exemple, 150 des recherches, les fais pas, mais s'il y en a que 10, c'est bon, tu peux le faire, tu vois. Donc, ce que tu vas faire, c'est les chercher une par une et pour chaque requête, en fait, tu vas regarder tout simplement si déjà elle est bien référencée, donc c'est-à-dire si tu vois que les gens dans la barre d'autocomplétion, ils la cherchent beaucoup. Donc c'est-à-dire que plus dans la barre d'autocomplétion, la résultat est basse ou presque n'apparaît pas, ça veut dire que les gens ne la cherchent pas, et plus elle est haute, plus ça veut dire que les gens la cherchent. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est la requête idéale. Et la requête idéale, il y a deux critères pour ça. Premier critère, il faut qu'elle soit
beaucoup cherché. Et deuxième critère, il faut qu'il y ait peu de concurrence, tu vois, c'est ce ratio. Beaucoup de recherche, peu de concurrence, tu vois. Si tu as beaucoup de recherche, beaucoup de concurrence, ça sert à rien. Si tu as peu de recherche et peu de concurrence, donc certes, c'est bien, tu as pas beaucoup de concurrence, mais si tu as peu de recherche, ça sert non plus à rien. Donc ce qu'il faut, c'est voilà, essayer d'avoir un contraste assez élevé. Ce qui compte, c'est vraiment le contraste entre concurrence et nombre de recherches. Et justement, dans cette étape 2, le but, c'est de trouver parmi maintenant toutes les requêtes. Par exemple, si tu as 15 requêtes que Keyword Tool t'a fournies, tu vas voir lesquelles en fait rentrent justement dans la catégorie de ceux qui ont un bon contraste. Et pour cela, en fait, ce que tu vas faire, c'est tester manuellement chaque requête. Alors bien sûr, si tu as 150 requêtes, évidemment que tu vas pas t'amuser à chercher les 150 requêtes sur YouTube, mais si tu as que 15 ou 20 requêtes maximum, eh ben tu peux chercher une par une et essayer de voir en fait tout simplement lesquelles appartiennent à ces deux critères. Donc comment savoir si la requête est beaucoup recherchée? Bah soit tu as un bon générateur de mots-clés comme Keyword Tool, mais la version payante qui du coup bah te dira tout simplement directement si elle est beaucoup recherchée ou pas. Soit tu peux tout simplement en fait taper la requête sur YouTube ou commencer à la taper et voir en fait avec ce qu'on appelle la barre d'autocomplétion, ou plutôt le volet d'autocomplétion. C'est tout simplement en fait le volet qui apparaît sur les moteurs de recherche et qui essaye de compléter votre recherche. Et donc en fait, plus un terme est haut dans la liste d'autocomplétion, plus ça signifie qu'il est recherché en grande quantité par les utilisateurs. À l'inverse, plus il est bas ou même s'il apparaît pas, ça veut dire qu'il n'est pas recherché ou quasiment pas recherché par les utilisateurs comparé aux autres. Du coup, déjà en tapant les termes, vous allez pouvoir voir s'il y a beaucoup de recherches. Donc c'est le premier paramètre. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches? Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est essayer de classer les termes par ordre croissant en termes de recherche. Et ensuite, pour juger du coup la partie concurrence, ce que vous allez faire, c'est rechercher du coup, cliquer sur entrée et vraiment voir les résultats de chaque terme. Et si vous voyez que pour certains termes, il y a déjà quasiment les 2-3 gros concurrents de votre thématique qui ont déjà fait la même chose, vous allez vous dire putain, c'est mort. À l'inverse, si vous voyez que pour votre quête, il y a quelques petits youtubeurs, mais des mecs qui ont peut-être un petit peu plus d'abonnés que vous, du style si vous avez 1000 abonnés, peut-être que eux ils ont entre 1000 et 10 000 abonnés, mais c'est pas des gros concurrents comme par exemple dans le milieu, dans la thématique, ce serait par exemple Jojol ou Zai Collection ou des trucs comme ça. Donc du coup, à la fin, sur vos 20-15 termes, vous en avez peut-être entre 3 et 5 qui ont un bon contraste. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir vous positionner alors soit individuellement, donc c'est-à-dire vous choisissez seulement un de ces termes et vous positionnez, soit les trois termes en fait sont plus ou moins reliés entre eux et vous allez pouvoir vous positionner dessus. Et donc la troisième étape, ça va tout simplement être la réalisation de la vidéo. C'est-à-dire que maintenant que vous avez jugé quelle requête il vous faut, vous allez faire en sorte de tourner votre vidéo, de lui donner non pas le fond, mais bien la forme qui est en rapport avec le positionnement, c'est-à-dire les requêtes que vous avez choisies. Donc les trois requêtes qui vous restaient à la fin. Et bien sûr, vous allez veiller à mettre tout simplement votre miniature, votre titre et vos keywords, tout simplement en rapport avec le positionnement que vous avez choisi, ça va de soi. Donc ça tombe bien, il y a déjà une vidéo pour chaque thème que je viens d'aborder là à l'instant. Donc tu peux les retrouver directement sur la chaîne. Et puis de toute façon, dans tous les cas, si tu veux vraiment retrouver tous ces conseils, je t'invite à télécharger ce livre de 280 pages. Donc comment réussir sur YouTube, qui t'explique tout simplement comment créer, monter et monétiser ta chaîne YouTube si tu es débutant de A à Z. Tout se passe dans la description, il n'y a pas de piège. Comme dit, tu cliques, tu accèdes au livre, c'est tout. Tu n'as pas besoin de donner ton adresse mail, il n'y a pas de tunnel de vente ou je sais pas quoi. C'est très simple, c'est juste ça, ok? Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.